Hello, c'est parti pour la suite du Road to 2200 en Bullet sur Chesscom. Mais avant ça, générique. Magnifique. Resplendissant, n'est-il pas? Let's go. Végétade. BS11. Champion. Chasse le fou. Je vais de mon fou en G5. Comme ça, il aura du mal à jouer C5. Ah mon fou! Je vais protéger ça comme ça. J'ai complètement oublié mon fou. Alors. Eh ben ça va être difficile. Mon fou est blanc, il ne sert plus à rien. Mais tous ces pions sur blanc. Et je perds autant. Je perds partout. J'ai amené autant de pièces que je puis. On verra bien ce que ça donne. Je vais peut-être faire fou prend. Moi j'attaque là. J'affaiblis un peu son roque, mais j'ai toujours une pièce de moins. J'ai pas beaucoup de menaces. Si je prenais tout de suite, il y avait tour prend. Ouais. Je vais venir ici. Chasser la dame. Il y a encore cette case-là. Il y a celle-là et celle-là. Je suis trop lent. Ah. Ouais. Ok, j'abandonne. Je propose une revanche. Bon, voilà l'adversaire. Ça commence bien. Anna Sal Sayed, la gambit du roi. Ici, oh, je perds ce plan-là, bon, c'est pas si grave. Je récupère B7. Et là, je peux prendre parce qu'il y a ma tour qui protège mon cavalier. Ok, bon, je vais prendre ici. Ça devrait le faire. Roi super faible. Attends, du coup, proposer une revanche. Bon, pareil que l'autre, on n'a pas l'air de vouloir rejouer. Nouvel adversaire. Dogan à Karsu. Deux fois mon fou, j'aurais peut-être dû faire C5 directement. Je sais pas. J'avais envie de roquer. Vite. J'hésite. Prendre avec le cavalier ou le pion. J'ai envie de prendre avec le pion. Mais j'ai hésité.
Je suis un peu trop lent. Un peu beaucoup. Passionnément. Fou ici, je vais faire F6. Ah oui, j'aime prendre une enfilade. C'est pas top. C'est pia top. C'est Pokémon. Attaquer comme on peut. Madame ici. Non, je peux pas. Prendre ici du coup. Je suis pas si mal. Malgré ma qualité de moins. Oui, ma qualité. Je pense que je peux jouer ça. Check ici, je vais venir là. Bon, c'est pas trop grave. Il y a quelque chose, non? Il peut qu'il y ait rien. Il peut pas ne rien avoir. C'est pas possible. C'est gagné autant. Ok, lui, il va rejouer. Tac, pas neuf. Dans le carocane. Pis s'il me chasse, je viens ici. Alors là, il m'attaque là. Je vais avancer. Je protège ici. Putain, je vais doubler les tours. Ah, il y a ça qui attaque ça. J'ai pas vu, je suis trop tard. Mais il ne l'a pas joué. Allez, je vais peut-être faire une expansion avec B4. Et pourquoi pas jouer C5 pour amener le B5 pour amener le cavalier. Cavalier là ou là, ça doit être bien. Ici ou ici. Voilà, il y a une fourchette. Je vais venir là directement. Ranger la tour, là je vais changer. Est-ce que j'ai assez de pièces dessus, je pense, oui. Hop, ici. Hop, une tour ici, sur la 7ème, c'est très puissant. Ouais. Je sais pas trop quoi jouer à part ça. Et je suis trop lent, beaucoup trop lent, encore une fois. Ouh, change de dame. C'est pas vraiment ce que je voulais jouer, mais bon. À défaut. Une tour ici. Ça je prends. Bien sûr, tour de plus. Tour prend. Tour ici. Il menace pas d'un coup. Tour prend et tour ici. Je prends comme ça, je pousse le fou. Oh, une fois, j'ai pas fait C5 tout de suite. J'avais envie de roquer. J'ai l'impression de perdre un temps, mais. Mais je ne sais pas quoi rajouter. Ah, j'ai la dame prend là. Mettre mes tours au centre. Faire E5. Ah, si je peux, est-ce que je peux. Oh, non, je prends une fourchette. C'est un peu chiant. Alors, ici, menacer. Menacer rien. Là, je peux jouer E5. Je prends avec le cavalier, je menace le cavalier ici. Je bouge. Ici c'est une fourchette parce que le fou est attaqué deux fois. Ça gagne une pièce, mais après il peut m'enfermer à mon fou. Mais non, puisque je l'attaque. Moi aussi il peut. Je prends ici. Prise ici, je peux même prendre là parce que j'attaque aussi la dame.
Ça me ferait une tour de plus. Mais après, il a des pions dangereux. Faudrait que j'arrive à les manger. Oh, je vais venir ici. Bon, faut le défendre. J'attaque là. Et on rejoue. Encore l'attaque pas neuve. Il faut manger mon pion. Je vais revenir là. Un cavalier ici. Pêcher fou ici. Ça, je vais laisser. Je vais prendre avec le pion pour protéger celui-là. Sauf s'il mange le directement. Parce que là, j'ai pas le temps de prendre avec le pion. Ok. Alors, si je joue plus vite. J'ai beaucoup de trop long. Voilà, il y a une fourchette, donc je dois prendre avec le pion. Et ça. Je vais me bouger de cette diagonale. Et je vais avancer. Je vais laisser l'aile dame, je vais me concentrer sur l'aile roi, même s'il n'y a pas forcément grand chose à faire. Ah, ça devient intéressant quand même. Dame ici. Protège ça et attaque ça. Je pense que le joueur là. Je vais reprotéger ici. Et je vais. Prendre là. On va mettre une dame ici pour faire tour prendre parce qu'il y a le fou qui protège. Mais il protège pas assez et il y a un mat après. Mat ici. 2170. Je continue mon gambit chelou. Ah là il prend pas. J'aurais dû jouer 5. Je ne sais pas trop quoi jouer là. Je pense que ça se voit. C'est un peu un massacre. Il faut prendre là. J'ai une espèce de sicilienne avec une B5 qui est un cadeau. C'est chelours. Je prends le fou. Avancer ici. S'il avance, j'aurai les cases noires à peu près, mais même si on fout, il sert à rien. Comment me servir de mon fou? J'avance là. J'ai une tour là. Développer mon fou. Tant pis si j'échange contre le sien. Au moins, il savait rien ici, donc échanger. Hop. Hop, une enfilade. Je prends la dame. Revenez mon cavalier. Je ne sais pas trop où, mais je le ramène. Ah, mais je suis trop lent. Waouh. C'est quoi cette lenteur? Projette, yes. Mais je suis pas sorti de l'auberge. J'ai 11 secondes. Je vois pas trop comment ne pas perdre, hein, malgré le temps. Et voilà, je donne ma toi. Celle-là, c'est pareil. Ok. Prendre là-bas. On est en roi. Échanger ça. Ah, mais non, cadeau. Ça ici, j'échange. Je prends ici. Je prends là. Faire un pion passer là-bas. C'est gagner autant de justesse. Allez, là, je fais ça pour changer. Même si ça ressemble. Je m'en fous. Fou ici. Rock. Une petite tour là. Puis là, mon fou, il va aller là-bas.
C'est pas grave si je perds ce pion-là. Enfin, c'est grave, je sais pas, mais... Je m'en fiche un peu. Je préfère aller attaquer le roi. Ici. Je vais juste reculer. Si je perds celui-là non plus, c'est pas trop grave. On va dire que ça ouvre le jeu. Je viens de défendre mon fou parce qu'il était en prise, je l'avais pas vu. Et les cases noires. Même si le fou peut revenir là. Ici, fou échec. Ça, ça va pas mal. Roi ici, il y a fou mat. Ouais. Bon, j'ai pas grand chose. Hein. Je vais choisir le cavalier. Essayer de faire passer une tour. Essayer, mais ne pas réussir. Hop. Ah, presque. Si, j'ai ça. Je peux venir là. Faut que je me fasse une case pour mon roi quand même. Là, je suis un peu couloir. Le couloir de la mort. Même si, bon, ça, c'est pas la meilleure case, mais. Je me sens plus en sécurité. Ok, bah je reviens. Je vais venir ici. Je vais faire H4, H5. H4 en tout cas. Quoi que ça enferme, madame. Bon, là, je vais venir là. Je me laisse quand même tout reprendre. Je vais prendre. Je mets mon fou ici. Je mets madame là, peut-être. Ah, mon fou est un peu fermé. Non, j'ai tout échec. Ok. Ah, bah, je perds mon fou. Bon, là, je suis mal. Objectif, ne pas perdre autant. Voilà, la fourchette maximum, wesh. Fourchette maximum. Et le cavalier prend ici. Ça. C'était horrible. Je fais ma tour. Hop, c'est perdu. Allez, c'est 5 directement. Moi, je peux perdre du temps, il m'en fout. Juste que je joue plus vite, c'est ça qui m'a fait perdre dans la partie, entre autres. Bien là, ça me sert pas grand chose, un peu à part un peu enfermé. Là non plus. Là, je fais un peu n'importe quoi. Je vais changer. Ramener madame. Prendre ici. Et perdre madame. Je vais la ramener pour le donner. C'est une offrande. J'espère que l'offrande a été appréciée. Non, j'ai pas envie de résigner tout de suite. Je continue. Be a man and resign. Je comprends pas toute la phrase. Je comprends résigne, man. Mais je comprends pas la construction de la phrase en fait. Hashtag pas bilingue. Hashtag lol. J'ai quand même envie de continuer. Mais c'est une dame de moins nette. Pas jamais. Je perds cher si je redonne déjà donc. Ok. Je préfère ne pas abandonner. Ça me semble compréhensible. Même si forcément je suis perdant largement. Je vais certainement perdre cette partie, très certainement. Mais si j'abandonne, j'ai déjà perdu. Ce qui est dommage. J'étais matin du coup et j'ai perdu. Bon, ok, une défense française. Pas prendre parce qu'il y a cavalier prend, dame prend, il faut échec.
il peut prendre. Que je vais protéger. Il y a peut-être des découvertes. Là, je vais faire G4. Faire le grand roc. Je vais donner mon pion. Petite menace de mat. Du coup, je suis obligé de changer les dames. C'est dommage. Ouch. Je suis trop long. Attention à pas me prendre un mat avec un fou. Ça peut exister, ça. Allez, je vais changer. Regardez mon fou sur cette diagonale. Là, je vais clouer, je gagne le fou. Je prends avec le tour. Hop, découverte. Mange le fou. Allez, je joue autre chose. Ah, il se clique. Attaquer ça alors que j'en aurais envie. Bon bah, il va balancer son roc dessus. Donc comment exploiter ceci? Prise de là, je sais pas. Tac le fou. Je prends des pions. Attaque le fou. Fou ici. C'est un peu chaotique. Ouais. Je vois pas. Je vois pas tout. Fou échec. On voit là. Il se passe des choses. Voilà, ça c'est un clouage. Heureusement, mon fou est ici. Je l'avais oublié. Lui aussi. Ça sauve. La tour est attaquée. Ok. De créer des faiblesses autour du roi. Est-ce que sur fou devant je peux faire tour prend? Ouais, il faut ici. 4. Attends, du coup. Je vais remonter à 2170. Directement attaquer ça.
C'est pas très judicieux de ma part. Tout ce qu'il avance, je vais le prendre. J'ai besoin de prendre de l'espace. Même pur F5. Ah, non, c'est lui. Bah, ça ouvre son rook. Je ne dis pas non. Je vais roquer. Ramener mon fou là-bas. Ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Justement, j'en avais besoin. Il pouvait faire cavalier prend et me remettre son fou ici. Ça m'aurait peut-être pas mal dérangé. Tac, madame. Bah, mon roi n'est pas super protégé. Bon, moi, je vais peut-être échanger les dames. Je suis toujours trop lent. Cavalier prend. Et je reviens après, non. Je reviens, défenseur, défenseur. Fou, toi aussi. Ça, c'est un bon coup. Tout reprend. Tout ici. Et dame prend, et tout reprend dame. Ouf. Je dois mettre un truc devant. Ah, misclic. Que je joue D4 la prochaine fois pour voir ce qu'il me joue, pour varier un peu. Prends aussi. Amener mon cavalier. Celui-là devant. Est-ce qu'il y a le F6? On dirait. Perdre une pièce. Bon, après j'ai quand même un petit peu d'attaque. Pas grand-chose. Hein. En fait, j'avais juste un échec. Mais bon. Mais bon, mais bon. J'ai des idées de fourchette. Ah bah là. J'ai des idées de récupérer une pièce. De faire tout reprend. J'ai pas mal d'idées. Cavalier échec. J'aime bien. Dame échec. Et ensuite, mat. C'est gagnant, sauf s'il ramène sa tour de l'or. Et là, c'est gagnant comme ça, que j'avais pas vu de base. 2180. Qu'est-ce que je joue? Qu'est-ce que je joue? Qu'est-ce que je joue? Allez, il sort. Enfin, je devrais pas changer mes ouvertures. Pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Peut-être que je ne devrais pas jouer autre chose. Dilemme. Je vais mettre un cavalier ici. Doubler les tours sur F. Manger là-bas. Pour pouvoir manger ici. Cavalier là. J'attaquais. Oui. Je viens d'attaquer. J'ai rien loupé. Ok. Ça j'ai loupé. Faut que je joue des coups rapides. Que je peux prendre. Prise, prise. Non, non, je peux passer. Et je viens ici si j'avance. J'avance comme ça. Voilà, je vais perdre. Je peux pas arrêter ces pions. J'arrive à mon roi derrière, pourquoi pas. Mais ils veulent avancer là. Non. Ok, j'arrive à bloquer mon roi. C'est pas foutu, foutu, foutu. C'est juste foutu. Mais pas foutu, foutu, foutu.
Pas trois fois. Ah, bah si je donne madame à toi. Je vais venir là, bien sûr. Vas-y, je prends. Non. Bon, là, il y a toujours le pion qui avance. Il ne devrait pas. Je vous prends. Miam. Ah, ça devient moins foutu. Autant je suis un peu compromis. Mais matériellement, une pièce de moins seulement. Hop, bah plus rien de moins. Nettement moins foutu. Une pièce de plus. Yes. Alors cette victoire, c'était vraiment mal parti. C'est une partie mal partie. On peut dire que l'adversaire a bien joué, mais au début, donc seulement en partie. Mais toujours une pièce qui s'active. Ah, ça je vais prendre. Prenez notre cavalier. C'est l'attaque des cavaliers mutants. Voilà, j'ai une bonne comment dire, des pièces bien disposées. Non, je n'arrive pas à manger son pion. J'ai son cavalier de venir ici. Je prends. Protège. Je viens ici pour empêcher le cavalier de venir par là. Ah, je ne pas grand chose. Et je viens là. Et ça, je peux prendre. C'est gagné. Allez, je vais pas changer mes ouvertures. Je prends. Fou ici. Je vais faire F6. Je gagne un pion. Je suis proche de mon but. Faut pas flancher maintenant. Mettre une tour ici pour venir là. Là je défends. Deuxième tour. J'arrive à réutiliser mon cavalier. Par exemple, le mettre là. Ça doit être pas mal. Ici. Et là, j'ai tout repris. Que j'ai une fourchette. Tout plaît, j'attaque le fou. J'attaque ici. Est-ce que je peux ramener la dame? Oui. Je me sais rien, mais je remets la dame quand même. Si je me laisse fou, prends ici pour dévier la tour. Est-ce que je me laisse ça? Parce qu'il y a quand même la dame qui défend. Il défend, non, je me laissais pas ça. Donc là, j'ai donné une pièce pour rien. C'est dommage, c'est dommage. Je peux jouer ça. Je me méfie quand même, mais il n'y a pas d'échec tout de suite. Là, j'ai prise.
Ah, je voulais prendre misclic. Alerte misclic. C'est pas trop grave, mais misclic quand même. C'était pas trop prévu. De moins, mais bon, c'est pas si grave, si grave. Je vais récupérer. Je fais un petit peu attention. Toi ici. J'essaie la dame une fois. Attaquer des faiblesses. Doubler. Je pense que je suis pas très, pas trop mal. Là, j'ai pas ça. Je vais pouvoir mettre mon cavalier ici. Non, je peux pas encore. Ça, je chasse. Je le prends et je vais attaquer. Pas grand chose non plus, encore une fois. Il y a ma tour qui a attaqué ça, j'avais pas vu. Ça, c'est un petit peu embêtant. Cavalier là. Je tout reprends. Je vais venir ici. Ah, mais j'ai donné ma dame en fait, j'avais pas vu du tout. Ok, j'ai abandonné, ça sert à rien. Moins 12, ça fait mal. J'y étais presque. J'ai pas vu que j'avais donné madame. J'ai cru que j'avais échangé. J'ai pas échangé grand-chose. Pas trop envie de lui laisser cette case là. Si je prenais, il prenait de là. Ah, ça j'ai pas vu. Ça non plus, je perds tous mes pions. Oh, oh. Bon, bah, moi ça me fait de la place. Je perds mon cavalier. Ça aussi, ça m'aurait fait de la place. Cavalier ici, ça a l'air intéressant. Position. Que là j'ai dame échec. Je prends. Prenez ma dame ici. S'il me prend, il perd la tour. Peut-être dû faire dame échec d'abord. C'était plus précis. Je reprenais sur l'échec. Oh, misclic, non, oh, misclic. Intéressant, faut pas que je me fasse enfermer. Est-ce que je garde mon cavalier? J'aurais peut-être dû garder le cavalier, plus fort que le fou là. Je fais attention à pas me faire enfermer. Voilà, là il va m'enfermer. Faire une case. Ah, bah, de toute façon, il est cloué.
m'active comme je peux. Fou ici, là c'est puissant. Et je peux jouer ça. Pas génial, mais bon, je joue quelques lignes sur son roi, ce qui est déjà mieux que rien. Après, je joue pas assez vite. Je vais le mettre là. Top. Ah, peut-être attaquer par là. Y a-t-il des possibilités qui se profilent? Yes. Et maintenant deux coups. Je sais pas trop pourquoi il joue F. Ouais, pour mettre son cavalier. Je chasse F6 pour créer une rupture. Ça, je chasse. S'il vient là, je vais fermer. Ok, je vais fermer. Et ramener ma dame. Essayer de jouer plus vite. Je vais y prendre. Ça, je garde éventuellement une rupture. Avec H6. Ouais, j'ai pas grand chose. Hein. Bon. J'ai rien. C'est plus que pas grand chose. Hein. Enfin, c'est moins pour le coup. Je prends ici et j'ouvre mon fou. Je vais le reculer et je vais essayer de faire passer madame. Viens ici. Ici. Ouais, je vais attaquer par là. Maintenant que le roi est passé, ça devient intéressant. Voilà, madame. Bon, je vais prendre. Le cavalier ici, ok. Je perds ça, c'est pas trop grave. Cavalier échec, j'ai loupé quelque chose. Lui. Ah, ma tour, moi aussi j'ai loupé ça. Bon. Je vais avancer. Attaquer là-bas. Manger ça parce que j'attaque le fou. Ok. Allez, si je gagne celle-là, c'est bon. Attention à ce qu'il n'y ait pas un E4 soudain qui me fasse une fourchette. Je vais venir là. Bon, j'ai un pion.
Parfait. Je peux avoir des découvertes sur Adam, mais j'en ai pas l'impression. Fourchette. Je vais m'arrêter là. Objectif atteint. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous abonner, partager, ça aide beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Coupez!